vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hé, hey, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut, Anna. Vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh? Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue? J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... tu sais, se ploter et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Oh, putain. Elle enlève son haut. Quoi? Oh, putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Na... Anna! Désolée, Anna. Anna. C'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Oh. Merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez? Anna! Josh! Josh! Merde. Hé, il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! Putain, Anna, mais t'es où? Ah.
Anna! Anna! Oui? Anna! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis! Je suis trop stupide! Anna, Bess? Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois, ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise? Je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, une semaine, par exemple? Ah. Et si je vous disais que cette maison est hantée? Ainsi, l'épouvantail vous effraie, et pourtant vous ne semblez pas dérangé par la possibilité de l'existence du surnaturel. J'ai l'impression que quelqu'un n'a pas été tout à fait franc avec moi. La session est terminée.
Nous poursuivrons dans cette direction la prochaine fois, voulez-vous ? Aujourd'hui, le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. F-Local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide ? Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache ? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, on le refait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier, mais... Je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez ? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok ? C'est parti ! Take the soul.
quelqu'un? Pas grave. Salut, petit gars. T'as faim? C'est ça? T'es chou. Waouh, des graffitis à cette hauteur. Chris, est-ce que t'es là? Pas dans le sac, quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Ah ah ! Mais qui voilà ? Salut, fouineuse.
t'en voir. T'es pas mon assistante. Ah, mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où ? Juste à côté. Tu vas halluciner. Sympa. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique fait divers? On dirait que quelqu'un y a pensé. Ah mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année et personne ne vient ici. Tada! Ça le fait, non? Ouais! Quand même! T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Crockett. D'accord. Ok, allons-y. Joli tir, cow-boy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Joli tir. Et regarde-moi ça. Hé, oh. Hey, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Hé, hey, je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. C'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en 2 secondes. Ah non, c'est rapide. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermée pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Après toi. Oh, un vrai gentleman. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plat aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre? C'est une grande montagne. Ouais. C'est beau de jour, mais il paraît tellement menaçant. On dirait un géant endormi. Tu vas le publier? Quoi? Ton joli poème, Le géant endormi de la forêt enchantée. Ah, ferme-la. Enfin, on y va?
Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y. Bien, l'aventure commence. Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ah oh, ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et? Eh bah, j'ai dû aller au fond. Et? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi? Boum! L'effet papillon. Tiens, tiens, de nouvelles personnes. Allons les accueillir. Oh, c'est quoi ça? Jess! Hey! Jessica, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Oh, putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichu. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hein. Hop là. Hé, hey, Chris. Je fais juste ce que Sam m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Mike et Em, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est très simple en fait. Em dégage, moi j'arrive. Oh! D'accord, d'accord.